Voyons donc le plan du cours. Ce plan est très simple. Nous allons d'abord explorer ensemble un certain nombre de fondements de la conduite du changement et réfléchir rapidement à comment accompagner un ensemble de transformations qui s'inscrivent dans un programme plus large. Donc, quelques fondamentaux, on va faire un petit tour dans nos cerveaux et dans ce qui a construit nos cerveaux et nos manières de fonctionner. On va réfléchir à quelques principes et à quelques convictions que, comme je vous le disais, quelques dizaines d'années de vie professionnelle m'ont amené à avoir face à cette dynamique. Donc ça, c'est l'arrière-plan, les fondamentaux de la conduite du changement. Ensuite, on verra comment la mettre en œuvre. Et on verra qu'on a trois dimensions principales de la conduite du changement qui, bien sûr, s'inscrit dans une quatrième dimension qui est le temps. On verra donc des plans-projets types de conduite du changement, soit dans des approches traditionnelles, top-down, liées aux grands programmes de transformation historiques, des approches agiles, et nous commenterons comment ces deux approches, en fait, ne s'opposent pas, mais se combinent en fonction du projet, en fonction des cultures dans lesquelles vous allez dérouler ce projet. Et nous aurons une introduction sous forme de vidéo sur trois outils que nous mettrons en œuvre très concrètement lors de nos séances présentielles sur un cas, que sont une fois les parties prenantes du changement identifiées, l'analyse d'impact, le plan de communication et le plan de formation.